vous êtes un... Au-delà d'être un passionné de rock, j'ai l'impression que vous êtes un vrai passionné de musique. Et c'est vrai qu'à l'époque, on disait, genre, si quelqu'un aimait le rock, il ne pouvait pas aimer quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts. Si aujourd'hui, je vais dans votre, je sais pas, CD-tech, vinylothèque ou iPhone ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un titre que je serais vraiment surpris de trouver dans la bibliothèque de Marquis? Est-ce qu'il y a un Lori qui traîne? Un Gangnam Style à quelque part. Est-ce qu'il y a un péché mignon? Est-ce qu'il y a un côté où vous faites comme... Non, ça, les gens peuvent pas savoir. Non, mais j'aime... Non. C'est vrai qu'il n'y a pas Gangnam Style ni Lori. Bon, il n'y a pas M. Pokora non plus. Enfin, non. Là, c'est pas très grave. Mais par contre, je peux me réécouter. Et ce n'est pas très grave. Voilà. Vous avez tellement de belles voix. Donc, c'est toujours dit avec gentillesse, tu vois. J'ai pas M. Pokora. Et ce n'est pas très grave. Non, parce moi, ça a l'air d'une insulte. Non, mais il y a plein de gens qui l'aiment pour moi, hein, donc ouais. Non, il n'y a aucun problème. Non, j'aime assez... Je fais une réponse un peu à la Gainsbourg, comme ça. Bah oui. Je me suis rendu compte qu'en prenant de l'âge, eh bien, on finit par aimer des choses qu'on a toujours détestées. Ah. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui n'est pas été très branché musique électronique dans les années 90. J'aimais pas tout ça. Je comprenais pas très bien. Et aujourd'hui, je commence à... Bon, je vais pas dire que je suis devenu un fan. Hein, je cours pas dans toutes les discothèques, voir tous les sets de DJ. Tomorrowland, on vous voit pas au premier rang. Ben non, mais... pas encore cette année. Non, parce que j'ai pas de place. Moi, j'aimerais bien y aller, ne fût-ce que pour voir. J'ai l'impression que Tomorrowland... Alors, c'est énorme ce que je vais dire. C'est Woodstock avec les guitares électriques qui ont été remplacées par des DJ. Oui. Et l'électro. Mais l'esprit, c'est un peu le même. Sauf qu'à Woodstock, ils se sont pas fait exploiter comme c'est le cas aujourd'hui. Et je vais dire un truc. Si quelqu'un nous regarde, qui fait de la télé ou de la radio, Marc Isaïe vient de dire qu'il voulait aller à Tomorrowland. Sortez vos caméras, vos micros, faites un documentaire, faites quelque chose. C'est là, vous avez juste besoin de le récupérer comme un fruit mûr.